Bonjour à tous, je vais vous présenter l'analyse technique du CAC 40 pour le vendredi 15 janvier 2010. Donc ici, après une ouverture en hausse, il y a eu une tentative de poussée haussière qui a rapidement avorté. Nous avons franchi à la baisse ici le support montant court terme pour aller rapidement baisser vers les 3950 points. Hier, je disais qu'en cas de rechute, on pouvait aller rechercher de la force vers les 3930 points. Nous n'en sommes pas loin. La zone des 3930 points, à mon sens, constitue un support assez solide. Nous avons ici un premier support matérialisé par un gap plus une première bougie qui est venue rebondir dessus. En cas, pardon, de plus, les 3930 points sont renforcés par ici le support haussier moyen terme qui est assez puissant depuis le mois de mars 2009, renforcé ici par la moyenne mobile à 25 jours, sur lequel le CAC est souvent revenu rebondir, d'accord, depuis le début de la tendance haussière. Au niveau des indicateurs, donc nous avons eu aujourd'hui une journée à fort volume qui peut s'expliquer par la journée des trois sorcières. Donc c'est les contrats futurs du CAC 40 qui arrivent à expiration aujourd'hui, donc le troisième vendredi de chaque mois, qui sont en général des journées où il y a des forts volumes. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la volatilité effectivement qui est montée. Ça, c'est plutôt un signe négatif pour les marchés. Une chose qu'il est important de remarquer sur le RSI, c'est que le RSI qui était porté depuis début novembre par un support montant, ici, le RSI vient de casser ce support montant pour redescendre donc en zone neutre, ce qui constitue à mon sens un signal baissier assez puissant. Donc il y a beaucoup plus de signal baissier que de signal haussier. Donc au niveau de la tendance, je passe forcément au baissier court terme. On verra bien si le support des 3930 points tient. En cas de cassure de ce support, on ira jusqu'aux 3870 points. Je reste pour l'instant haussier, moyen terme et long terme. Merci pour votre attention. À bientôt.